Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler d'une pièce que vous connaissez pour certains déjà, qui fait son petit bonhomme de chemin. Et donc, cette crypto-monnaie-là s'appelle Fake Token. J'avais déjà parlé de ça brièvement dans certaines vidéos en faisant une petite lucarne dessus. Mais ce matin, nous allons faire focus sur cette crypto-monnaie pour vous donner toute l'actualité de cette crypto-monnaie, pour vous donner toutes les potentialités qu'offre cette crypto-monnaie. Et il est vrai que cette crypto-monnaie, elle fait partie des crypto-monnaies qui étaient dans la même trempe que le Shiba en son temps. Mais j'avoue que cette crypto-monnaie a beaucoup perduré dans sa position. Elle était mal connue. Elle était aussi, on peut dire, sous-estimée. Ce qui a fait aussi qu'il n'y avait pas aussi de publicité agressive comme le Baby Doge le fait autour de cette crypto-monnaie. Donc, cette crypto-monnaie est restée un peu en latence dans une position où elle n'était pas trop, comment on appelle, connue du grand public. Donc, avec les derniers, comment on appelle, mises à jour du projet. Donc, voilà, nous revenons ici pour dire que cette crypto-monnaie, nous allons essayer de décortiquer. Et donc, cette crypto-monnaie-là, nous allons la décortiquer aujourd'hui en profondeur. Cette vidéo, elle sera pleine d'informations. C'est une vidéo vraiment qui sera pleine parce qu'à partir de cette crypto-monnaie, il y a plein de technologies qui sont développées. Nous allons parler en profondeur. Ça va nous permettre de parler de beaucoup de choses en même temps. Donc, restez connectés et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer. Et abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos à vos proches. Donc voilà, déjà pour le tokenomics de cette vidéo-là, comment on appelle, de ce token-là, ils ont fait 100 millions de milliards de pièces et ils ont déjà brûlé 59% de l'offre. Donc en circulation, nous avons 40 millions de milliards environ en circulation. Et donc, cette crypto-monnaie, qu'est-ce qu'elle nous offre? Cette crypto-monnaie, elle nous offre beaucoup de technologies. Déjà, il faut savoir qu'il y a la version BP20 et il y a la version ERC20. Ça, c'est déjà quelque chose de notable. Donc, étant donné que nous avons, comment on appelle, dans cette technologie, on a la multichaîne. Cette multichaîne nous offre la possibilité de faire un pont entre le BP20, le fake token BP20 et le fake token ERC20. Donc, ceux qui veulent payer le BP20, ils peuvent le payer. Ceux qui veulent payer le ERC20, ils peuvent le payer. Et donc, ça, c'est la même chose comme Baby Doge a fait aussi. Et donc, ça permet de pouvoir travailler avec la pièce plus aisément pour éviter les frais d'Ethereum. Ensuite, nous avons aussi, comment on appelle, une expansion qui sera faite aussi sur les blockchains telles que Phantom, Polygon, Avalanche. Ça, c'est en cours de développement. Tout ça, c'est des choses très intéressantes pour cette crypto-monnaie. Ensuite, ils ont fait aussi ce qu'on appelle la renonciation au contrat intelligent. Cela signifie quoi? Dès qu'ils ont lancé, comment on appelle, pour être décentralisé, totalement décentralisé, pour ne pas que les développeurs reviennent pour pouvoir changer des informations dans le contrat, ils ont renoncé au contrat intelligent. C'est-à-dire ils n'ont plus de comment on appelle, ils n'ont plus accès au contrat intelligent pour pouvoir modifier des informations dedans. Donc, c'est la même chose que Yoshi aussi a fait en faisant la renonciation. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est totalement décentralisée. OK? Et donc, ce qui nous intéresse même aujourd'hui, avant même d'arriver là-bas pour la technologie qui nous intéresse, qui est très révolutionnaire, avant d'y arriver, nous allons parler même déjà de comment on appelle, du tokenomics. Et dans le tokenomics, il faut savoir aussi que 100% de la liquidité a été bloquée. 100% de la liquidité a été bloquée et une partie, comme on appelle, dans la Binance Smart Chain, une partie aussi est dans la blockchain Ethereum. Donc, ce qui fait de sorte que nous avons deux formes de holders. On a le nombre d'holders au niveau
de comment on appelle de fake token BSC qui est la Binance maintienne. Alors nous avons 900 000 holders au niveau, hein, 900 000 holders au niveau, hein, du FEG BSC, c'est-à-dire du FEG, comment on appelle, qui est BP20. Ensuite, nous avons 90 000 holders au niveau de FEG ETH. Et donc, cela s'explique par le fait que l'ETH, les frais sont énormes. Et donc, comme les frais sont énormes, c'est rare que vous allez voir beaucoup de personnes aller là-bas pour aller faire les transactions. Donc, là-bas, le nombre de holders est moindre par rapport à, hein, au nombre de, comment je vais dire, au nombre de holders au niveau de la BSC, c'est-à-dire de la Binance maintienne de FEG, hein, avec du BP20, du FEG BP20. Ok, donc ça, c'est une information importante. Une autre information qui est vraiment de taille, et cette information FEG token, le fait de lancer ce qu'on appelle le Smart DeFi. FEG token a lancé une technologie qu'on appelle Smart DeFi. Et cette technologie-là, j'avoue que c'est cette technologie-là qui m'a poussé à faire cette vidéo-là. Et c'est quoi le Smart DeFi? D'abord, le Smart DeFi, c'est un contrat intelligent qui empêche ce qu'on appelle le rug pull. Rug pull, c'est quoi? Et aussi de ce qu'on appelle le on-pull. C'est-à-dire que le pot de miel. Maintenant, le rug pull, c'est quoi? C'est le fait que les développeurs ont la possibilité de changer les contenus du contrat intelligent, est-ce que vous voyez, et de vider la liquidité qui se trouve dans les projets. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, un développeur, lorsqu'il a lancé sa monnaie, et il n'a pas certifié, par exemple, par Certic, cette monnaie n'a pas été certifiée par Certic pour vérifier est-ce que le contrat intelligent respecte tout ce qui est dit. Et même s'il doit avoir un changement dans le contrat intelligent, cela doit passer d'abord par la communauté qui doit valider d'abord. Ensuite, maintenant, on va certifier ça par Certic. Mais ce n'est pas tous les projets qui font ça. Et donc, certains projets font quoi? Ils viennent eux-mêmes, pendant qu'ils n'ont pas certifié le projet, ils viennent pouvoir changer les données du contrat intelligent. Et donc, quand ils changent les données du contrat intelligent, ça dit que ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent à l'intérieur de ce contrat intelligent. Pendant que toi, tu penses que tu es investi dans une bonne monnaie, voilà que le contrat a été changé. Et le pot de miel, en ce moment, peut rentrer en ligne de compte. Le pot de miel, c'est le fait que les développeurs, ayant changé le contrat intelligent, peut empêcher toutes les autres adresses de pouvoir vendre leur monnaie. Pendant que la monnaie est montée, ils peuvent empêcher toutes les adresses de vendre seulement que eux seulement peuvent vendre. Ça, c'est le pot de miel. Là, en ce moment, il vient, il vide la liquidité qui est bloquée et c'est fini. Lui, il sort du projet et quand il revient, la pièce est descendue, vous êtes là, vous pensez que le projet est en train d'évoluer. Pendant ce temps, lui, il a vidé la liquidité et tu viens, tu veux swapper, il n'y a rien pour toi là-bas. Et ça, pour éviter le rug pull et aussi le pot de miel que je viens d'expliquer, le Smart DeFi va à l'encontre de ça. Dès qu'un projet est lancé sur le contrat intelligent Smart DeFi, ce projet-là, il est automatiquement verrouillé. Est-ce que vous comprenez? Ce projet est automatiquement verrouillé et verrouillé à vie. On ne peut plus changer les termes de ce contrat-là. Dès qu'il est lancé à partir du Smart DeFi, c'est verrouillé à vie. On ne peut plus changer les informations à l'intérieur. Donc, aucun développeur ne pourra venir après changer les termes du contrat pour pouvoir avoir accès à la liquidité. Voilà. Et ça, c'est grâce au Smart DeFi que cela se fait. Et donc, cela donne encore une autre information intéressante. C'est qu'on n'a plus besoin, dans ce cas de figure, quand un contrat est lancé à partir du Smart DeFi, d'aller voir Certic ou bien TechRight pour que cela certifie, hein, le contenu du contrat intelligent, parce que eux, c'est leur rôle. Mais cela, il faut dire aussi qu'avec Certic et TechRight, c'est des coûts aussi énormes, souvent qui vont à plus de 10 000 $ pour un projet nouveau qui est en train de se lancer. C'est pas sûr qu'il y a trop d'argent. Donc, du coup, lancer un projet avec la certification qui va vous coûter jusqu'à 10 000 $, souvent même jusqu'à plus que ça, ce n'est pas intéressant. Donc, du coup, le fait de venir lancer le projet à partir des FEG tokens de leur contrat Smart DeFi, en ce moment, vous intégrez votre contrat intelligent qui est en même temps verrouillé et qui est en même temps audité, en même temps là. Tout ce qui doit être fait est fait directement. C'est comme si vous avez un kit
Et dans ce kit-là, vous avez la certification, vous avez la, comment on appelle, la sécurisation à l'intérieur en même temps. Donc vous gagnez à mettre quelques seulement quelques centaines de dollars, de dollars seulement que vous aurez peut-être à faire pour certifier le contrat. Et non seulement cela est intéressant pour les investisseurs. Les investisseurs, parce qu'ils sont sûrs que lorsqu'on donne une information sur le contrat intelligent, on te dit que le contrat est verrouillé, la liquidité est bloquée et c'est effectivement bloqué. On ne peut plus changer les informations. Quelqu'un ne peut pas venir faire du on-report, c'est-à-dire vider la liquidité ou bien vous empêcher d'avoir accès à la vente de vos pièces. Ça, ça serait plus possible avec le contrat intelligent de Smart DeFi. Et ça, c'est une innovation importante. Une autre information dans le Smart DeFi, c'est que l'innovation qu'ils ont fait encore par rapport au lancement des projets, lorsqu'un projet est lancé là-bas, ils vont adosser le projet sur une crypto-monnaie forte. Ils vont adosser la crypto-monnaie là, qu'eux ont lancé sur une crypto-monnaie qui est déjà forte. Tel que par exemple l'ETH, le BNB, Solana, Matic, et tout ce que vous connaissez. Cela va faire quoi? Va stabiliser la crypto-monnaie. C'est-à-dire, en cas de chute brutale de cette crypto-monnaie, étant donné qu'il est par exemple adossé à l'Ethereum, c'est-à-dire comme là maintenant vous voyez, le franc CFA est adossé à l'euro, est arrimé à l'euro, vous avez le USDT qui est arrimé au dollar. Donc, il y a une parité entre l'USDT et le dollar. C'est la même chose qui va se passer ici. De sorte que lorsqu'il y a une chute, étant donné qu'il est adossé à une crypto-monnaie assez forte, cela va ralentir cette chute-là. Parce qu'il est adossé. Et ça, c'est très intéressant pour les crypto-monnaies, comment on appelle même, qui viennent de se lancer, qui sont vraiment en phase de lancement, en phase d'adoption. Donc, c'est bon de se mettre dans un tel cadre de contrat pour sécuriser et aussi garantit aussi la progression de la monnaie. Voilà une chose qui est très importante. Aussi, Fake Token aussi offre ce qu'on appelle aussi les prêts, les lending, ils font des prêts. Et comment ça se passe? Il s'agit par exemple de lorsque vous avez par exemple besoin d'argent, vous n'avez pas assez d'argent, mais vous avez par exemple des fake tokens d'une valeur par exemple de 200 dollars ou bien des Saitama d'une valeur de 200 dollars ou de 1000 dollars. Voilà, j'en sais absolument rien à ce niveau. C'est juste un exemple qu'on vous donne pour comprendre. Donc, à supposer que vous avez 200 dollars de fake ou bien de Saitama. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous venez dans la plateforme et vous rentrez dans la partie lending et vous allez bloquer vos tokens là-bas, que ce soit les Saitama, les, je sais pas, Baby Doge ou je sais pas, Fake. Donc, vous bloquez ce token là-bas. Et donc, comme la valeur fait 200 dollars, qu'est-ce qui se passe? Fake Token va vous donner vous-même 200 dollars en USDT. On vous donne 200 dollars en USDT pour que vous puissiez aller utiliser comme vous voulez. Mais en ce moment, vos Fake Tokens qui sont d'une valeur de 200 dollars sont bloqués en ce moment, ou bien vos Saitama ont été bloqués. Et donc, on va attendre à ce que vous remboursez les 200 dollars que vous avez reçus en USDT. Une fois que vous avez reçu, alors le contrat va débloquer. Une fois que c'est. Et puis, en plus, je vous dis encore qu'il n'y a pas de frais dessus, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt qu'on va vous prélever pour dire, bon, comme à la banque, quand tu t'en déposes, quand tu t'en fais un prêt de 1 million, on va te dire, bon, tu vas payer peut-être, je sais pas, 12% ou bien 10% ou bien 7%, voilà, d'intérêt. Non, ici, il n'y a pas d'intérêt à payer. C'est ça le fait d'être dans les contrats intelligents qui sont vraiment bien dans le monde de la crypto-monnaie ici. L'innovation, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à prélever ici. Tu as bloqué une crypto-monnaie d'une valeur de 200 dollars, de 1000 dollars, de 2000 dollars. Alors, une fois que c'est bloqué, le jour où tu vas rembourser, c'est les 2000 dollars ou les 200 dollars que tu as pris là, tu vas rembourser exactement. Une fois que tu as remboursé, on te restitue des crypto-monnaies. Et il peut arriver que le temps de remboursement, si elle est longue, il peut arriver que le marché soit dans un bull run, le marché peut être en train de monter. En ce moment, tes crypto-monnaies qui avaient une valeur de 200 dollars, en ce moment, peuvent passer à 400 dollars. Et donc, quand tu vas revenir, c'est comme si tu as fait du holding. Donc, tu viens retrouver tes crypto-monnaies, je ne sais pas, 2 milliards de tokens ou bien 10 milliards de tokens.
qui avait une valeur de 200 dollars, qui est passé maintenant à une valeur de 400 dollars, de 500 dollars, à ce moment, tu les récupères, tu fais ce que tu veux. Mais l'intérêt déjà, c'est que tu n'as pas eu le temps, ce malheur-là d'aller voir peut-être une banque traditionnelle pour récupérer de l'argent là-bas et payer des intérêts. Tu es allé directement dans la blockchain ici, tu es allé directement dans le contrat intelligent de cette monnaie-là et ils t'ont donné directement accès à l'argent dont tu avais besoin. Et donc, en garantie, toi, tu as déposé tes crypto-monnaies là-bas et tes crypto-monnaies, c'est comme si c'est en train de faire du holding pour toi. Tu as verrouillé là-bas et donc tu as pris le temps de rembourser. Une fois que tu as remboursé, tu as accès à ta monnaie encore qui a pris encore de la valeur. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'intéressant pour le monde de la crypto-monnaie. Ça va permettre aux gens qui savent utiliser ce genre de levier là de pouvoir non seulement profiter de tout le marché de crypto-monnaie, mais pouvoir prendre de l'argent et puis faire d'autres affaires avec ça et tout en voyant leur pièce qui est bloquée là-bas et qui prend de la valeur encore. Donc ça, c'est une technologie très, très, très intéressante. Voilà. Et donc, tout ça, c'est grâce à Fake Token que voilà, tout ça est possible. Et donc, il était de notre devoir aussi d'en parler, de vous donner toute l'actualité autour de cette monnaie-là qui est aussi à commencer à se réveiller, à donner le meilleur pour que vraiment la communauté se dise qu'ils ont quelque chose à apporter. Hein, et ils ont quelque chose de valeur à apporter à la communauté. Et voilà, et c'est une communauté qui est grandissante. Ok, actualité encore par rapport à Fake Token. Ils ont lancé un wallet dernièrement. Et ce wallet-là, c'est à l'occasion du festival des cryptos qui se passe à Dubaï actuellement. Je ne sais pas si vous êtes informé. Voilà, j'avais déjà dit ça ici. J'avais même dit que Spooky Shiba devait être là-bas. Voilà, donc Fake Token est là-bas. Avant, ils ont lancé sur leur Twitter officiel un nouveau wallet qu'on appelle Graphene, Graphene 2FA, Two Factory. Mais ce n'est pas simplement un Two Factory. Ce n'est pas seulement un authentificateur à deux facteurs. Voilà, la particularité, c'est qu'on peut faire des multi-signatures sur, ce wallet. On peut faire des multi-signatures là-bas. On peut faire aussi un whitelist des adresses autorisées. Des adresses qui sont autorisées à faire des transactions, vous pouvez les autoriser. Vous pouvez autoriser des personnes pour la validation de vos transactions. Vous pouvez autoriser des personnes, peut-être 3 personnes, pour pouvoir peut-être faire la validation de vos transactions. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez désactiver aussi votre wallet lorsque vous subissez, par exemple, une perte. Par exemple, de votre téléphone où se trouve le wallet. Si vous avez perdu ce téléphone, vous pouvez aller rapidement désactiver le wallet avec un questionnaire auquel vous avez préalablement répondu lors de la création du wallet. Alors, vous répondez à ce questionnaire-là et puis automatiquement, on va verrouiller votre portefeuille jusqu'à ce que vous soyez apte à vous avez retrouvé un autre téléphone. Vous pouvez maintenant venir réactiver et puis continuer votre holding. Et ça, c'est intéressant parce qu'il peut arriver que tu peux perdre ton téléphone. Et donc, si tu as perdu ton téléphone, donc vraiment, ce serait intéressant de pouvoir récupérer tes données avec une facilité. Et cela peut se faire aussi hors connexion aussi. Tout ça, c'est possible grâce à cette technologie aussi. Voilà. Vous pouvez aussi envoyer aussi, grâce à ce wallet-là, vous pouvez envoyer des tokens dans un autre portefeuille. Vous pouvez transférer des tokens. Maintenant, en faisant le transfert, si c'est un ERC20, vous aurez besoin des Ethereum. Maintenant, au lieu d'aller chercher des Ethereum pour venir enlever les frais dedans, eux, ils vous autorisent directement le token que vous avez. Si c'est un FEG, vous allez enlever directement les frais dans les FEG là, au lieu d'aller chercher les frais en Ethereum encore pour venir enlever. Ça, ils vous donnent encore cette technologie grâce à leur wallet qu'ils ont lancé dernièrement, qu'on appelle Graphene. Voilà, donc vraiment en innovation, il faut dire qu'ils ont vraiment mis la barre haute dans l'innovation. Et donc, c'est un projet à soutenir. Ensuite, ils viennent de lancer aussi sur leur Twitter aussi, on va dire un challenge, voilà, un défi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 100 000 dollars dans un portefeuille.
Et dans les 100 000 dollars qu'ils ont mis dans ce portefeuille, ils ont révélé publiquement l'adresse privée. Ce qui n'est pas normal d'ailleurs, parce que lorsqu'on a une blockchain, lorsqu'on a un portefeuille sécurisé, vous avez accès à deux clés. Il y a la clé publique et il y a la clé privée. Et donc la clé privée, ça reste garde-chasse. Vous gardez ça jalousement. Mais la clé privée, la clé publique, là, elle peut être partout. Elle peut permettre de faire même des opérations. Voilà. Mais la clé privée, on ne la révèle pas. Mais eux viennent de dire, comme ils ont confiance à leur wallet, ils ont révélé la clé privée. Et dans cette clé privée, ils demandent comme défi, quiconque pourra retirer les 100 000 dollars de ce portefeuille-là n'a qu'à venir dire, voilà, la clé privée, là, je l'ai utilisée, j'ai pu récupérer les 100 000 dollars. Parce qu'eux savent quelle technologie ils ont mis là-bas pour vous dire que vous ne pouvez pas récupérer les 100 000 dollars que vous voyez, même si vous avez accès à la clé privée. Et donc, c'est le défi qu'ils ont lancé aux développeurs, voilà, d'applications, pour que ceux-là viennent tester leur système pour voir la sécurité qu'ils ont mis autour de ce système. Donc, vraiment, il faut être assez gonflé, être assez sûr de soi pour révéler une clé. Donc voilà, c'est un défi de taille qu'ils ont lancé. Et donc, on attend de savoir si au moins un développeur a réussi à retirer les fonds. Voilà, on vous fera le retour de ça ici. Voilà. Et donc, autre information, autre actualité. Voilà, depuis le 14 mars 2022, l'Ukraine a lancé un site de partenariat avec... Ils ont lancé un site en partenariat avec l'exchange crypto qu'on appelle FTX et puis aussi Everstick. Voilà, Everstick, c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée en Ukraine là-bas, plateforme d'échange crypto. Et donc, cela, ils ont fait ce partenariat pour pouvoir faciliter le transfert des crypto-monnaies, hein, BTC, ESC, BTC, comment on appelle, ETH, USDT, etc., dans la banque centrale ukrainienne, c'est-à-dire faire le transfert de portefeuille vers la banque centrale, des gens qui veulent faire des dons, voilà, pour qu'ils aient cette facilité-là. Ils ont fait ce site-là en partenariat avec ces deux exchanges. Voilà, donc actuellement, en termes de flux d'argent, ils sont à 48 275 000 dollars qu'ils ont déjà récoltés. Cela va servir à l'effort de guerre, voilà, pour aider les troupes qui sont sur le terrain et aussi aider à ce qu'on appelle l'aide humanitaire aux civils qui sont victimes actuellement du conflit. Voilà, c'est par rapport à ça que l'Ukraine a lancé ce site là pour pouvoir aider sa communauté. Voilà, ainsi va prendre fin la vidéo de ce matin qui a été vraiment riche en informations. Voilà, et donc ceux qui ne savaient pas ce qu'on appelle le rug pull, ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle on est pauvre, voilà, vous avez eu l'information. Et c'est ça aussi, c'est quand on parle ici de formation, d'information et de motivation. Et donc cette crypto-monnaie FEC dont nous venons de parler a du potentiel, alors vous pouvez vous y intéresser, car nous, depuis le départ, on a déjà pris des tokens de cette monnaie. Mais on suivait de près la monnaie pour voir un peu que, comme je l'ai dit, la monnaie qui essaie de soulever la main, c'est cette monnaie-là que nous essayons de promouvoir ici. Et voilà, donc ils sont sortis dans leur léthargie en envoyant quelque chose de nouveau. Alors il est bon que nous essayons de promouvoir la crypto-monnaie pour qu'elle puisse aller plus loin et puis faire des heureux. Voilà. Et donc, pour tout ce qui concerne les formations en ligne, voilà, c'est tous les jours. Voilà, vous pouvez avoir mon numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo pour les différentes formations. Ça, c'est tous les jours. Pour la formation au niveau d'Abidjan, la troisième édition, c'est avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour les différentes inscriptions. Avec, comment on appelle aussi, la formation au niveau du Burkina, la troisième édition aussi, c'est avec le leader Dieudonné que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, c'est prévu pour le 16 et le du 16 au 18 avril prochain. Voilà, et donc ceux qui veulent interagir pour la formation, alors allez vous inscrire auprès du leader Dieudonné. Pour la formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le leader Faustin que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions.
Et cette année, nous espérons être là-bas pour pouvoir échanger nos expériences avec nos frères du Congo. Ensuite, on a la formation au niveau du Togo. C'est toujours avec le grand leader Abraham que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions dans cette zone là-bas. Dès que nous avons atteint le nombre de personnes, alors nous serons là-bas. Au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mama que je salue au passage, toujours en contact pour donner de l'actualité, toujours en contact pour en tout cas me faire le point de l'intérêt que les Sénégalais portent aussi à la formation là-bas. Alors, beaucoup de courage à toi, leader, dans ta zone là-bas. Voilà, nous aimerons être aussi au Sénégal pour permettre aux Sénégalais d'avoir aussi accès à l'information et aux opportunités qu'offre la crypto-monnaie. Voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, avec le leader Teddy Joseph du côté de la côte, voilà, au niveau côtier, voilà, San Pedro, voilà, Meagui, Soubré, tout ce qui est dans la zone là-bas. Voilà, vous allez partir vers le leader pour ceux qui veulent faire la formation physique, ceux qui veulent faire la formation en ligne, ça c'est tous les jours, vous pouvez aller rentrer directement en contact avec moi. Mais ceux qui veulent la formation physique dans la zone de San Pedro, alors vous rentrez en contact avec le leader TB Joseph pour les différentes inscriptions dans cette zone. Au niveau de Daokro, c'est toujours le leader Yaya. Et au niveau de Korogo, on a toujours le leader JJ. Au niveau du Grand Ouest, on a le leader Niawa qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone là-bas. Voilà, je pense avoir touché toutes les zones. Voilà, au niveau aussi d'Abengourou, on a toujours le leader Yapi qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans la zone. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. N'oubliez pas que vos portefeuilles, pour certains, sont déjà marqués. Alors, n'attendez pas. Allez, venez vous faire votre formation pour sécuriser vos acquis, pour ne pas qu'un fautif vienne ravir vos crypto-monnaies un matin et vous aurez que pour l'âme pour constater les dégâts. Et donc, ça, vraiment, je ne souhaite pas que cela arrive. Alors, rapidement, venez faire votre sécurisation avancée pour atteindre vos objectifs à moyen terme et à long terme. À la suite de ça, au moins vous pouvez dire, je suis en train de faire du holding sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Là, tu es sûr où tu es en train de partir. Mais tant que tu n'as pas encore fait ça, vraiment, j'avoue que tu es encore vraiment, vraiment dans l'ignorance. Et voilà ce que je viens d'expliquer aujourd'hui avec le Red Pool, avec tout ce que les développeurs sont capables de faire pour prendre les informations, pour pouvoir prendre la liquidité. Et vous pensez que c'est la liquidité seulement qui veut prendre. Ils mettent même souvent des accès dérobés dans les contrats pour pouvoir prendre vos pièces quand vous partez mettre ça dans vos portefeuilles. Voilà, donc à bon entendeur, salut, à la prochaine. Et sachez que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. La guerre va finir bientôt. Si la guerre finit, la crypto-monnaie va monter. Alors profitez de ces opportunités maintenant. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.